Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Peracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 461 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. On se retrouve pour pour clore la semaine, tout simplement, pour cet épisode de 461. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé notre session dans la carte des mers. On est à 3%. Hein, on est à 3% dans lequel on avait fait cette case là, souvenez-vous, avec du coup éliminer 400 ennemis avec l'armée avant l'armée tierce. On avait obtenu notre carte d'objet, c'était la grue de récupération qui permettra de qui va permettre tout simplement de trouver des trésors cachés sur des cercles lumineux. Et donc du coup bah aujourd'hui nous allons tout simplement nous attaquer à cette case là. On n'a pas le choix pour tout simplement avoir du coup notre nouveau personnage Medoli. Tout simplement, donc écoutez, on va déjà pouvoir faire l'exploration requise et on va pouvoir du coup utiliser la rugueuse de récupération sur ce cercle lumineux. Et on va du coup, voilà, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Et cela du coup nous offre Medoli. Donc ben les amis, c'est parti, compétition, la course de vitesse. Donc je sais pas ce que ça veut dire exactement. Oh, par contre, je rêve, ça a réapparu. il y a bien un... Pourtant, il n'y avait pas de carte. Mon dieu, oh mon dieu, me dites pas que c'est un truc. Genre, on va devoir réexplorer derrière. En fait, c'est un truc où c'est infini, en fait. J'ai l'impression. Pourquoi pas, ok. Compétition. comment ça, compétition? On va utiliser Midona. Un petit perso, peut-être. Tetra. Link Cartoon. Roi d'Hyrule. On peut peut-être utiliser Midona forme humaine. Hein. Expérience plus. Et en cas de souci, Link. En cas de souci en termes de roi Kuras ou de Spectral Ganon, je sais même plus qu'est-ce qu'il y a ici. En tout cas, je n'en reviens pas. On est enfin, voilà, on est enfin arrivé là, dans la carte des mers. Allez, go. Alors, du coup, compétition, la course de vitesse. Link. Ok, on doit éliminer Link enfant et nous avons les différents moblins. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Éliminer le plus armé d'ennemis que l'armée tierce. Bah, ok. Il semblerait qu'éliminer Link fera apparaître des renforts ennemis. Ok. Link en... Cartoon, pardon, pas Link enfant. Ok. Ok. Allez, on se concentre. Ok. L'armée alien n'a pas l'avantage, oui. On va vite éliminer le moblin, comme ça au moins, si on peut calmer le stat du moblin. Allez, go! Voilà! Alors, le goblin. Boum! Boum! Et boum! Seuls des soldats ordinaires apparaissent. Désorienté par la inexpérience, perd le moral. Ok. Alors, boum, boum et boum. Voilà. Ah, le roi Kuras. De retour pour nous jouer un mauvais tour. Tain, 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 tain. Et du coup, putain, dans le volcan d'Ordin, c'est trop bien. Roi Kuras, oiseau gigantesque. Qui aurait pensé vraiment? Bon, bah, on va vite éliminer le roi Kuras. De toute façon, nous aurons le temps. Hein, donc, allez, RNG, s'il te plaît. Merci. Quand t'es avec moi, j'adore. Oh, bah, ça va aller vite. Ah, oui, donc ça va aller effectivement assez vite. Ça va, on a 5 minutes quand même. En fait, si on a du temps, on peut voir en haut. Voilà. Roi Kuras est mort. Oh, une arme. Oh, j'ai envie de me tabasser les couilles. Allez, go. C'est trop bien avec Link. Midona forme humaine. Boum. Voilà, 850. Putain, ça fait du bien en tout cas, ça varie un peu. Ça varie. Ha
Est-ce qu'il va y avoir un autre boss géant qui va apparaître? Est-ce qu'il y a un Spectral Ganon? Je m'en souviens même plus qu'il y a un Spectral Ganon. Téléportation. Le Moblin déjà, ça serait bien de l'éliminer. Non. Bah alors. Non. Voilà. Le Moblin, tes soldats ordinaires apparaissent. Hop, voilà, boum. On est en train de tout défoncer. Quel ennemi a reçu des renforts. Ah, c'est trop bien de défoncer tout avec... avec Midona, forme humaine. On va l'avoir, notre personnage, notre nouveau personnage. Putain, ça va faire bizarre d'avoir un nouveau personnage, je vous le dis. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas obtenu un nouveau personnage. Je crois que c'est le dernier en date, je crois que c'était soit Tingle, soit Scoop. Je crois que c'était Tingle, il me semble. Donc effectivement ça remonte. Voilà. Oh 600 ennemis, ok. L'intermédiaire se déplace plus vite. Oula, attention. Ah oui, donc effectivement il commence à y avoir du monde. Hein. Il commence à y avoir du monde. Boum. Attention! Oula! J'aimerais bien que les goblins se viennent à moi en fait. Attention! Ah, les goblins est en haut quoi. Ah non, c'est les convois. Oh putain, je pensais que c'était des goblins. Bon, on va aller vite éliminer les trucs ordinaires. Hein. 2000 ennemis. Hop. Voilà. L'ennemi lance une attaque générale. What the fuck, ok. Sérieusement? Ça fait rappeler comme dans le mode assassin là, enfin les vagues d'assassins dans les épreuves de survie de niveau 4 et tout ça. S'il te plaît. Et voilà. Boum. Voilà, parfait. Robin revient sur le champ de bataille. On est en train de tout défoncer. Putain, on est déjà à 2000 et quelques ennemis. Ça veut strictement rien dire. C'est quoi? Il reste plus beaucoup de temps. Allez, on va finir avec Link. Ça a trop d'ennemis d'un coup. Voilà. Merci. Tac, 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 tac. Moblin. Hop. Voilà, des soldats ordinaires. Alors, le Moblin. Attends, on est en train de... On l'a défoncé en termes de score. On l'a défoncé en termes de score. Hop. Et... You die. Et voilà. Bon ben voilà, nous avons réussi. Et du coup, normalement, nous avons notre nouveau personnage, les amis. Nous avons notre nouveau personnage. Ça va faire bizarre avec un nouveau personnage. Hein. Et ben voilà. Bon ben écoutez. Attends, on a explosé en score. On a explosé. Bien. Bon bah écoutez. Il fallait s'en douter.
Bien. Et du coup, Arbalète, 90 dégâts, Attaque Fort 3, Grand Effet de la Fontaine, 90 dégâts, Expérience Plus, Os Massif de Dragon, 90 dégâts, Slot Vide, Marteau Magique, 90 dégâts, Élément Feu, et Miroir Obscur, 90 dégâts, Slot Vide. Pour une amulette de Link, 2 massues de Groblin, 11 cornes de monstre, une fourrure de Groblin, et 13 viandes de Moblin. Et nouveau personnage jouable, Medouli. Yes. Ah. Bon. Bon, ben les amis, on pourra continuer la fois prochaine. Il y a plein de choses à faire, donc on partira tout simplement. Alors là, il y a encore un autre truc à explorer, vous pouvez voir là-dessus. Donc ça ne s'arrêtera plus. Ça ne s'arrête plus, on dirait. Je sais pas si c'est ce côté. Est-ce que c'est détecté? Ah non, c'est peut-être détecté ce côté en fait, c'est pour ça. Donc, ouais, voilà. Donc la fois prochaine, ben les amis, on tentera d'aller progressivement. On fera d'abord cette case là. Et puis après on fera cette case là. En plus ça va nous débloquer 3 nouvelles choses. Ainsi de suite, ça serait bien d'aller au moins jusqu'à là. Ou d'aller d'avoir la petite carte d'objet. Alors certes vous allez me dire je peux les acheter. Je vous ai dit non. Je ne me les achèterai pas. Voilà, comme je vous ai dit d'habitude, je ne vous les achèterai pas. Je ne les achèterai pas parce que de base dans le jeu, ce n'est pas inclus. Et je ne veux pas utiliser la solution de facilité. Donc je ne les achèterai pas. Voilà. En tout cas, voilà, moi en tout cas pour ça c'est fait. En tout cas, j'ai réussi à j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais. Et en plus cette semaine on aura fait énormément de choses. Par contre je suis en train de me rendre compte que si en fait c'est à partir de là. Donc en fait il faut vraiment faire le tour en fait. C'est très dédale en fait. Genre par exemple on va faire ça, après ça va débloquer des choses. Des choses ici. D'ailleurs il y a une exploration requise. Putain ça va jamais s'arrêter. Mon dieu les amis. Bon bah écoutez hein, on est loin d'avoir fini tout ça. Et donc du coup voilà. On va quand même aller voir un terme de badge du coup avec Medouli. Donc et même voir un petit peu Medouli. Et on peut voir elle est là notre Medouli. Ne vous inquiétez pas on va aller la voir. Et alors du coup déjà bah attendez. On va directement la sélectionner. Ah ouais, niveau 10. Niveau 10 on va éviter quand même. Hein. On va l'augmenter niveau 50. Allez on a des rubis pour ça. Et voilà. Alors, quand elle va monter des niveaux 50, les amis, elle va gagner un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 réceptacles de cœur et 214 de puissance. Le personnage va passer du niveau 10 au niveau 50. Voulez-vous continuer? Oui. Allez, on monte, on monte, on monte. Oui, parce que là, au cas où, elle va pas rester niveau 10. Eh ben dis non, il y en avait besoin. On a beaucoup de rubis, donc autant les dépenser. Et voilà. Le personnage est passé au niveau 50. Comme ça, moi, on a notre deuxième barre de cœur également avec elle. Et on peut voir, du coup, en termes de badge, tout ce qu'on peut faire. Alors, l'épée Kukirien, nouvelle attaque faible, lire. Alors, 6 fois Y, et voilà. Une seule requin, une toile de monstre, 999 et 100 rubis. Épée Kukirien va te créer. Voulez-vous continuer, bien sûr? Le badge épée Kukirien a été créé. Merci. Épée Kukiri 2, nouvelle attaque forte, lire. Alors, 4 fois Y et 1 fois X. Sur le requin, une croix de Dinalfos en 998 et une toile de monstre en 998 et 500 rubis. Épée de Kukiri 2 va être créée. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge épée Kukiri 2 a été créé. Ok. Feu de Dain 1, facilite un peu le remplissage de la jauge de coup fatal. Cela requin, un écaille de l'étalphos sur 329, une toile de monstre sur 997 et 500 rubis. Feu de Dain 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge Feu de Dain 1 a été créé. Ensuite, épée Kukiri 3, nouvelle attaque faible, lire. Alors, 7 fois Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, 7 fois Y, cela requin, un casque de Moblin blindé sur 653 et une toile de monstre sur 996 et 1000 rubis. Épée Kukiri 3 va être créée. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Épée Kukiri 3 a été créé. Parfait. On va même pouvoir faire l'Épée Kukiri 4. Nouvelle attaque forte. Lire. 1, 2, 3, 4, 5 fois Y et 1 fois X. Cela requin un plastron de Captain Goron sur 113 et une toile de monstre sur 995 et 3000 rubis. Épée Kukiri 4 va être créée. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Épée Kukiri 4 a été créé. Nickel. Maintenant, Feu de Dain 2. Facilite le remplissage de la jauge de coup fatal. Cela requin. Un cœur de salamandille sur 221 et une toile de monstre sur 994 et 1000 rubis. Feu de Dain 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Feu de Dain 2 a été créé.
Masque du Dieu Démon 1 ajoute une deuxième jauge de coup fatal sur le requin, un cuir de salamandrile sur 220 et une tôle de monstre sur 993 et 2000 rubis. Masque du Dieu Démon 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Masque du Dieu Démon 1 a été créé. Et ça, c'est, ouais, c'est la même chose ici. Flacon vide 1 permet d'utiliser une potion une fois sur le requin, un haillon de monstre sur 999 et 100 rubis. Flacon vide 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Flacon vide 1 a été créé. Flacon vide 2 permet d'utiliser une potion deux fois sur la requin. Un cuir de salamandrile sur 219 et un haillon de monstre sur 998 et 1000 rubis. Flacon vide 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Flacon vide 2 a été créé. Donc c'est toujours sur requin la même chose. Et là, Vent de fort 1 permet de prendre l'effort un peu plus facilement sur la requin. Une corde de monstre sur 143 et 500 rubis. Vent de fort 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Vent de Fort 1 a été créé. Bien. Bon, ben, on peut plus rien faire avec elle. Mais en tout cas, voilà. On a débloqué un tout nouveau personnage. Medoli, qui est avec nous. Enfin. Bon, ben, écoutez. Hein, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, ça veut dire que la fois prochaine, les amis, on va pouvoir partir en direction tout simplement de nouvelles cases, encore une fois, dans lequel on va faire la fois prochaine, voilà, on va faire ça la fois prochaine, formation bataille en équipe, donc voilà, on découvrira un petit peu ce que c'est. Donc merci en tout cas de m'avoir suivi. Vous avez vu qu'en plus il y a un réceptacle de cœur avec Ruto, voilà, donc ça fait longtemps. Et donc voilà, on fera ça. Donc l'objectif quand même, c'est d'aller se rendre ici au moins, vous voyez, de se rendre jusqu'ici, d'avoir notre truc. Et de faire le tour comme ça au moins. En fait, il faudra refaire plusieurs fois les mêmes cases et tout ça. Ça va être très bon. Ça va être très bon, mais on n'a pas le choix. Et donc, ouais. Ouais, on n'a pas le choix. Et donc, du coup, ben voilà. Hein, on peut s'arrêter là. En tout cas, oui, comme je vous ai dit, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 460 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Cela nous promet du coup un très très beau futur, hein, pour la suite du Let's Play. Il y a encore énormément de choses à faire de partout. Il y a énormément de choses à faire de partout. On est loin, mais loin d'avoir fini. Il y a des réceptacles de cœur à récupérer avec des gens, des fragments de cœur. Ça ne s'arrête plus, des réceptacles de cœur, encore une fois. Ça ne s'arrête plus. Honnêtement, c'est sans fin. C'est honnêtement sans fin. Donc écoutez, souhaitez-moi bon courage, en tout cas, voilà, on va en avoir besoin. Et je vous retrouve donc pour l'épisode prochain, tout simplement, qui sera du coup logiquement demain, l'épisode 461, dans lequel nous ferons cette carte-là, cette case-là. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace!